topissime. Je suis née à 4h du matin, le 9 janvier 1908, dans une chambre aux meubles laqués de blanc qui donnait sur le boulevard Raspail. Sur les photos de famille, prises l'été suivant, on voit de jeunes dames en robe longue ou chapeau empanaché de plumes d'autruche, des messieurs coiffés de canotiers et de panama qui sourient à un bébé. Ce sont mes parents, mon grand-père, des oncles, des tantes, et c'est moi. Mon père avait 30 ans, ma mère 21, et j'étais leur premier enfant. Je tourne une page de l'album. Maman tient dans ses bras un bébé qui n'est pas moi. Je porte une jupe plissée, un béret, j'ai 2 ans et demi, et ma sœur vient de naître. J'en fus, paraît-il, jalouse, mais pendant peu de temps. Aussi loin que je me souvienne, j'étais fière d'être l'aînée, la première. Déguisée en chaperon rouge, portant dans mon panier galettes et pots de beurre, je me sentais plus intéressante qu'un nourrisson cloué dans son berceau. J'avais une petite sœur. Ce poupon ne m'avait pas. De mes premières années, je ne retrouve guère qu'une impression confuse. Quelque chose de rouge et de noir et de chaud. L'appartement était rouge. Rouge la moquette, la salle à manger Henri II, la soie gaufrée qui masquait les portes vitrées et dans le cabinet de papa, les rideaux de velours. Les meubles de cet antre sacré étaient en poirier noirci. Je me blottissais dans la niche creusée sous le bureau. Je m'enroulais dans les ténèbres. Il faisait sombre, il faisait chaud, et le rouge de la moquette criait dans mes yeux. Ainsi se passa ma toute petite enfance. Je regardais, je palpais, j'apprenais le monde à l'abri. C'est à Louise que j'ai dû la sécurité quotidienne. Elle m'habillait le matin, me déshabillait le soir et dormait dans la même chambre que moi. Jeune, sans beauté, sans mystère puisqu'elle n'existait, du moins je le croyais, que pour veiller sur ma sœur et sur moi, elle n'élevait jamais la voix, jamais elle ne me grondait sans raison. Son regard tranquille me protégeait pendant que je faisais des pâtés au Luxembourg, pendant que je berçais ma poupée blondine, descendue du ciel une nuit de Noël avec la malle qui contenait son trousseau. Au soir tombant, elle s'asseyait à côté de moi et me montrait des images en me racontant des histoires. Sa présence m'était aussi nécessaire et me paraissait aussi naturelle que celle du sol sous mes pieds. Ma mère, plus lointaine et plus capricieuse, m'inspirait des sentiments amoureux. Je m'installais sur ses genoux dans la douceur parfumée de ses bras. Je couvrais de baisers sa peau de jeune femme. Elle apparaissait parfois la nuit près de mon lit, belle comme une image, dans sa robe de verdure mousseuse ornée d'une fleur mauve, dans sa scintillante robe de jais noir. Quand elle était fâchée, elle me faisait les gros yeux. Je redoutais cet éclair orageux qui enlaidissait son visage. J'avais besoin de son sourire. Quant à mon père, je le voyais peu. Il partait chaque matin pour le palais, portant sous son bras une serviette pleine de choses intouchables qu'on appelait des dossiers. Il n'avait ni barbe ni moustache, ses yeux étaient bleus et gais. Quand il rentrait le soir, il apportait à maman des violettes de Parme, il s'embrassait et riait. Papa riait aussi avec moi. Il me faisait chanter « C'est une auto grise,
où elle avait une jambe de bois. Il m'ébahissait en cueillant au bout de mon nez des pièces de 100 sous. Il m'amusait et j'étais contente quand il s'occupait de moi. Mais il n'avait pas de rôle bien défini dans ma vie. La principale fonction de Louise et de maman, c'était de me nourrir. Leur tâche n'était pas toujours facile. Par ma bouche, le monde entrait en moi plus intimement que par mes yeux ou mes mains. Je ne l'acceptais pas tout entier. La fadeur des crèmes de blé vert, des bouillies d'avoine, des panades m'arrachait des larmes. L'onctuosité des graisses, le mystère gluant des coquillages me révoltaient. Sanglots, cris, vomissements, mes répugnances étaient si obstinées qu'on renonça à les combattre. En revanche, je profitais passionnément du privilège de l'enfance pour qui la beauté, le luxe, le bonheur des choses qui se mangent, devant les confiseries de la rue Vavin, je me pétrifiais, fascinée par l'éclat lumineux des fruits confits, le sourd chatoiement des pâtes de fruits, la floraison bigarrée des bonbons acidulés, verts, rouges, oranges, violets. Je convoitais les couleurs elles-mêmes, autant que le plaisir qu'elles me promettaient. J'avais souvent la chance de mon admiration s'acheva en jouissance. Maman concassait des pralines dans un mortier. Elle mélangeait à une crème jaune la poudre grenue. Le rose des bonbons se dégradait en nuances exquises. Je plongeais ma cuillère dans un coucher de soleil. Topissime.